Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouais. Bonne. Ah, comment on fait pour ranger son arme, sérieux? Commande, sur des touches. Ah voilà, c'est bon, c'était R longtemps. Bon, on va aller jeter un coup d'œil à la bombe. Et on va lancer une grosse quête principale. Les nuages et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent. Ah, je vais dire au shérif que je peux pas la faire, sinon il va me défoncer la tronche. Vous évitez les ennuis, j'espère. Je croyais que vous vous y connaissiez. Ne nous faites pas. Et j'ai gagné des capsules gratuites. Bon, déjà, on va aller vendre toutes nos merdes, chercher des quêtes, et ensuite on s'arrêtera ici. Ah non, ici c'est l'église, fait chier. Vous cherchez à faire du troc? Allez voir aux réserves. Ah, je dois aller où, sérieux? Et la gloire d'Atome. Je vous y invite, mes frères. Venez. Non, c'était contre. Glorieux Atome, je t'offre mes os fragiles. Je te fais cadeau de ce frêle corps. Ton instrument, guide-moi vers ton Alors. La divise chaque particule et ah ouais, donne Colin la Moriarty. Ce corps pourri. Accorde à ce Allons corps lui demander. Une vie nouvelle dans les formes. Atome, tiens, impose. Alors, où est Colin? Non, c'est pas lui. Enfant de l'atome. Peut-être à l'étage, il devrait être. Non, il n'est pas là. C'est quoi cette connerie? Nous resterons fidèles jusqu'au jour de la division. Jusqu'au jour de ton... Qui avons-nous là? Est-ce possible? Quelqu'un venu agrandir notre humble... Je suis le confesseur Cromwell, prophète d'atomes et père de la lueur immortelle. Chaque... Oui, mon enfant. L'église des enfants d'atomes est fondée sur l'idée que chaque masse atomique de toute la création contient un univers entier. Lorsque cette masse atomique se scinde, un univers unique se divise pour en former deux. C'est le plus grand acte de création d'atomes. Il se produit parfois un événement divin et des milliards de milliards d'univers sont créés. Le dernier de ce type a eu lieu ici, il y a 200 ans. Si la plupart des enfants perdus... Ceux qui ont été rappelés à atomes pendant la Grande Division ont eu beaucoup de chance. Ils ont participé à la création. Nous recherchons la même chose. Même après avoir appris la vérité... Comme...
Ok, c'est bon. Vous voulez quelque chose? Salut. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, Moïse... Regardez ça, du sang neuf. Dites-moi, mon garçon, vous avez déjà entendu parler de l'enclave? Bon, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais vous avez l'air d'un patriote, et tout bon patriote doit mettre son fusil. D'un jour à l'autre, ils vont arriver et ce cauchemar sera fini. Pourquoi? Pourquoi? Regardez autour de vous. On est aux États-Unis. Bien sûr, ça a un peu changé, mais c'est toujours le territoire américain. Et même quand on est né dans un abri souterrain, et c'est votre devoir et mon... Eh bien, tout le monde ne s'y attend. Ces gens parlent à la radio depuis des années. Le président... Ils ont des robots volants un peu partout qui leur... Vous verrez, les gens... Ah putain, qu'est-ce qui... C'est le gouvernement américain, les... Je saurais pas dire, vraiment. Maintenant, je sais que je n'avais jamais vu votre tête à Megaton. Des gens essaient tout le temps de venir s'installer ici. Bon, si vous avez faim, vous êtes... Jetez un œil. La plupart... Certains détestent cet endroit et c'est leur droit. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? À manger? Un abri? Je ne sais pas grand-chose. À vrai dire, je ne quitte quasiment jamais le Lanterne. Sa gloire nous aveuglera. J'ai fait le chemin jusqu'ici pour obtenir de l'eau, mais ils n'en vendent qu'aux habitants. Ok. Les hommes, les femmes et les enfants de la Terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'Atom. Faut trouver la boutique de Moira. Allez, cassez-vous, bande de nazes. Désolé si j'ai beaucoup les textes, mais sérieux, c'est vraiment relou d'un moment. Le corps putride de chacun de nous donnera naissance à 1 milliard d'étoiles. Chacun de nous enfantera 1 000 milliards de civilisations. On va faire le tour, on va bien trouver de toute façon. Alors, il y a une maison vide. On m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri. Ça faisait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous. Ravie de vous rencontrer. Je suis Moira Brown. Je tiens les réserves de Craterside, mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche. Dites, je prépare un livre sur les terres désolées. Ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri. Vous voulez bien m'aider? Génial! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie, ou de sortir pour la première fois, ou ce qui vous passera par la tête. Un père en fuite, hein? J'en ai déjà vu des tas. Mais aucun avec un gros 101 sur le dos. J'espère que vous le retrouverez. Peut-être que cette tenue blindée d'abri vous y aidera, qui sait? Ça fera bien dans le livre. Au fait, vous voulez m'aider pour mes recherches? Je vous paierai, ce sera amusant. Voyons,
les radiations, tester un appareil expérimental et, ne nous voilons pas la face, aussi un peu de lecture. Ce genre de choses, vous voyez? Pour tout ça, je peux vous payer en capsules, médicaments et même quelques inventions uniques si je suis contente de vous. Ça vous branche? Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord? Un recueil de conseils pourrait aider les gens. Genre un guide de survie dans les terres désolées. Pour ça, j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je ne veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur, ça fait toujours des histoires. Non. Ensuite, il crie beaucoup. Sur moi. Et méchamment. Quel enthousiasme! Des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture, les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mines. Ouh, ça vous tente la... Eh bien, la nourriture et les médicaments, on en a tous besoin un jour ou l'autre, non? Alors il faut savoir où en trouver. Il y a un vieux super duper mart pas loin d'ici. Il faut que je sache si on y trouve encore de la nourriture ou des médicaments. Oh, génial! Le plus important est la bouffe. Mais voyez s'il y a aussi des médicaments. Et s'il n'y a rien à revenir... Alors, qu'a donné la récup? Vous... Oh! Oh, mais je pourrais pas! Ces pauvres gens de l'église seraient effondrés! En plus, cette bombe ne risque pas de faire du mal à quelqu'un! Il faut savoir vivre et laisser vivre, pas vrai? Bien sûr, je suis... Un peu! J'ai le plan d'un truc appelé lance-briquette. Je vends aussi les éléments si vous voulez fabriquer vous-même cette arme. Ne vous en faites pas pour les munitions. Ce bidule tirera tout ce que vous trouverez sur le terrain. Cendrier, ours en peluche, et j'en passe. En fait, si vous voulez fabriquer une arme personnalisée, n'hésitez pas à utiliser l'établi du magasin. Il suffit d'avoir le plan et les pièces. Vous avez des capsules pour moi? Quelles? Ah, encore une de ces ordures de terre désolée. Écoutez-moi bien. Vous me plaisez pas. N'approchez pas de moi et tout se passera bien. Oh, y a pas grand-chose à raconter. J'ai vécu à l'extérieur. J'étais un vrai salaud à l'époque. Mais tout ça, c'est du passé. Quoi? J'ai laissé tout ça derrière moi. C'est le merdier là-bas. Tuer, voler, la violence... Ah, je suis plus ce genre d'homme.
Moi. Ça vous. C'est ça. Vous avez. Moi, je fais rien du tout. À part essayer de rester bourré et enrichir Moriarty. Bon, je reste le meilleur fusil de la ville, alors tout le monde vient me chercher quand les raiders se pointent. Mais entre les raids, ils se contentent de me prendre mon fric et de me ramener chez moi quand j'ai trop bu. Un peu d'argent pour boire pourrait réveiller mes cordes vocales. Waouh, 20 capsules. Ça, c'est de la générosité. Très bien. Puisque vous n'hésitez pas à dépenser gros, je vais tout vous dire sur Moriarty. Moriarty est un sacré enfoiré, c'est clair. Mais c'est aussi un sacré parano. Tellement qu'il ne laisse jamais personne toucher au blé ici. Chaque soir, il prend ce que Gob et Nova ont ramassé et enferme le tout dans un classeur près de son lit. Elle est accrochée autour du cou de Colin. Prenez-la, si vous y arrivez. Ah, oh, je ne vole plus depuis longtemps. Il vous fera probablement sauter la tête. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Bonjour, mon enfant. Je ne crois pas avoir déjà fait votre rencontre. Je suis mère... Les femmes et les enfants de la Terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'Atome. Que ceux qui vivent ici, sur la Terre... Même de la gloire d'Atome. Qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé. Je ne peux pas parler là. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Salutations! Colin Moriarty, toujours ravi de voir une nouvelle tête. Je crains que tu n'aies eu la malchance de me voir... hors de mon élément. Je suis le propriétaire du Moriarty, tu vois. Le saloon. Mais viens voir par toi-même. Viens boire un verre ou une douzaine. Toi et moi, je sens qu'on va bien s'entendre. Très bien s'entendre. Mon Dieu, c'est toi. Ce petit bébé a bien grandi, comme du chien dent, hein? Eh bien, on peut dire que ça date pas d'hier. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai, mais il est reparti. Il a trouvé ce qu'il voulait et a filé. Il va faire la même chose, pas vrai? Ton père t'a dit ça? Que tu étais né dans ce trou? Que lui était né dans ce trou? Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance, pour te mettre en sûreté, tu vois. Je m'en souviens. Tu as séjourné ici après tout. C'est vrai. Ton père,
son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans sein à téter. Désolé pour ta mère. Vraiment. Mais la vie continue. Papa a menti, la vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé. Ah, je vois. Je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Par un type qui s'est échappé, oh, il y a quoi, 5 ans. Vive le superviseur! Nous sommes nés dans l'abri, nous mourrons dans l'abri, et toutes les conneries du genre. Eh, j'ai une meilleure programmation que l'adjoint Weld. Alors mets-toi au parfum. T'as pas envie qu'on profite de toi, hein? Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Alors je vais... Ton père est venu ici, mais il n'y est plus, et oui, je sais où il est parti. Mais ce que tu veux, ce sont des informations, et ça... Ça se monnaie. Par conséquent, ça doit se vendre à un prix raisonnable. Comment définir raisonnable? Disons, 100 capsules et je te dis où est ton père. Excellent. Ton père t'a appris ce qu'il fallait. À propos de ce bon vieux papa, il est parti au sud-est dans DC, à la station de Galaxy News Radio. Bonne chance. Je ne comprends pas ce que tu fais encore ici. Tu veux savoir où est elle? Galaxy News Radio est une station de radio genre grande gueule, située dans les ruines de DC. Three Dog, le chef de cette maison de fous, bave en permanence sur une histoire de bon combat. C'est n'importe quoi. Mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolées, c'est l'endroit où aller. Moi, je m'en fous. Les terres désolées? Mais pourquoi tu voudras aller là-bas? Écoute bien, gamin. Megaton a tout ce dont tu peux rêver. Pourquoi aller ailleurs? Ne mets pas ton nez dans mes affaires, ne va pas où il ne faut pas, et viens boire ici. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je fournis ces pecnos en yole et en chatte. Ils me filent leurs capsules. Un commerce honnête, si tu veux mon avis. Je tiens un saloon. Alors les rumeurs, ça manque pas. Je vais te raconter celle-là gratis. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée, mais Lucy West, la mignonne, elle a peur. De quoi, de qui, j'en sais rien. Mais on sent qu'elle a peur. J'attends notre prochaine rencontre. Oh, j'ai peur d'être occupé pour l'instant. Vous savez, vous avez raison. Je dois vraiment ressembler à un poteau indicateur. Vous voulez aller où? Oh, pas de problème. Hors de Megaton, tout autre endroit doit être le paradis. J'en ai marre d'être ici. Sans les gens comme vous qui viennent avec leurs capsules, il y a longtemps que je serais parti. En supposant que Léo et Jenny soient d'accord. Ouais. Salut! Allez, salope! Tentez quelque chose? Hein?